المسكينة اللي سقطت من العار وصرت يبسا يبسا وحزينة راني هاي ما نعرف وصرت يبسا يبسا وحزينة راني هاي ما نعرف Démon Minuit, bonsoir. Si la littérature est cathédrale, je vous propose ce soir une conversation à la cathédrale. Invité de manière de voir, Pierre Michon et Jean Echenoz. Voilà pourquoi il y a conversation à la cathédrale, comme aurait dit Mario Vargas Llosa. Pierre Michon, la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que c'est long, c'est trop long. C'est trop long. Pas vos textes, ah bon, mais le fait de vous voir, ça fait trop longtemps qu'on ne vous a pas vu. Comment se fait-il qu'il y ait tout ce temps entre mes livres? Entre vos livres. Parce que j'écris peu, j'écris rarement, j'écris je dirais bien le moins possible quand je dois quand je suis pressé par une sorte de nécessité de non pas d'existence ni de carrière mais quelque chose entre les deux. Il faut bien de temps en temps montrer de nouveau qu'on est toujours là, même si c'est dans des toutes petites choses. Mais j'écris pas souvent, quoique je ne fasse que ça. Est-ce que c'est parce que vous écrivez parfaitement? Et je ne crois pas écrire parfaitement non plus. Je m'efforce de faire aussi bien que je peux, mais peut-être que le fait, comment dire, que je me contraigne, non, que j'essaye de ne pas trop écrire et que je joue de ma rétention, si on peut dire, peut-être que ça fait que, lorsque je me mets au travail, les textes sont plus forts qu'ils ne seraient si j'écrivais tous les jours, je ne sais pas. C'est un fonctionnement personnel, ce n'est pas... Dans votre façon de travailler, il y a la volonté de ne pas raturer. Pas trop. Pas trop. De ne pas trop raturer. Ce qui veut dire que vous ne pouvez écrire ou votre main ne peut relayer ce que vous avez en vous que quand vous êtes, alors je disais tout à l'heure parfaitement prêt, mais je dirais plutôt quand vous êtes justement prêt. Quand je me crois tel, quand il me semble que je suis prêt. C'est-à-dire quand peut-être quand j'ai réussi à me monter une sorte de cinéma mégalomane ou hystérique et que je me dis bon, eh bien, oui, je suis l'écrivain. Je vous vois là ce soir mégalomane et hystérique. C'est... Non, mais quand j'écris, si. C'est difficile à obtenir, enfin, quand on est presque normal. Il est difficile d'obtenir de soi que tout à coup on se dise voilà, je suis libre, je peux faire ce que je veux et ce que je vais faire va être beau, tout à coup. Voilà ce que je me dis. C'est énormément gonflé. Enfin, je ne peux pas le dire, je ne peux pas me le dire tous les jours. C'est de la toute-puissance. Il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose comme un avènement très ponctuel en moi d'un une phrase que j'aime beaucoup de Pessoa. Il fait dire à un de ses hétéronymes, mon maître. Non, c'est plutôt lui qui dit à propos d'un de ses hétéronymes, peut-être d'Alvaro de Campo. Il dit quand j'ai trouvé ce type. Mon maître est apparu en moi. Mon maître est apparu en moi. Eh bien, quand mon maître apparaît en moi, j'écris. Mais quand je suis moi, je ne peux pas écrire. Quelle est la connexion entre la tête et la main qui écrit? Autrement dit, entre ce qui se passe dans votre tête et ce que vous allez lire sur votre écran ou sous votre plume? Ça, c'est les anthropologues qui peuvent en parler bien. Enfin, cette histoire de ce qui se passe entre pour l'hominien et notamment pour l'homme, pour le sapiens, entre la main et la bouche, et entre l'intelligence et le geste, entre... Et votre main fait ce que vous lui dites de faire, toujours? Je ne sais pas qui décide. On a tous un corps et on ne sait pas si c'est d'abord la main qui écrit ou la pensée qui pense. Et d'ailleurs, les deux vont ensemble. Pourquoi dites-vous qu'un texte littéraire est une chose intouchable? Je ne dis pas qu'elle est une chose intouchable. Je dis que dans le dispositif que j'ai mis en place pour écrire quelques textes, il faut que je considère que c'est intouchable.
que ce que j'écris, que ce que j'ai écrit dans une matinée, je ne peux plus y toucher. Ce que je fais ensuite se greffe là-dessus. Mais je ne me vois pas refabriquant l'ensemble. Deux textes aujourd'hui, chez Verdier, chez Bobillet. Chez Verdier. Une fidélité. AB, alors là on est plutôt dans le texte de commande. Oui. C'est parce que vous dites que les conseils régionaux ont beaucoup d'argent. En la circonstance, 20 000 francs, dites-vous. Oui, c'est pas beaucoup. Bon, c'est pas beaucoup, mais. Pour des pauvres. Pour des pauvres, c'est déjà. Pour des pauvres, c'est déjà pas mal. Et puis Corps du Roi. Comment prend Corps du Roi? Là aussi, il y a des textes de commande dans Corps du Roi. Deux textes ou trois sont des textes de commande. Qui étaient dans mes tiroirs. La plupart de ces textes étaient dans mes tiroirs, sauf le dernier. Vous alliez presque dire dans mes tripes. Mais Non, dans mes tiroirs. Quand je les ai faits, je les ai faits avec plaisir, mais je ne voyais pas l'unité entre tous ces textes. Et le dernier texte, qui parle de moi et non plus de grands auteurs, enfin, ça parle un peu du goût, a donné une sorte de cohérence à ces textes qui étaient dans mes tiroirs et a fait qu'ils parlent tous de la même chose, qui est en fait de ceci est mon corps. Même mon corps qui peut être mon idéal du corps, ou mon, mais quelque chose qui tient à moi, à mes rêves, à mes fantasmes de midinette, disons, envers les grands auteurs. Voilà. C'est un peu un livre de midinette, Corps du Roi. C'est un peu un livre de garçon qui a longtemps rêvé devant la littérature comme une jeune fille rêve en lisant Gala ou Voici. Est-ce que vous pouvez accepter, ou est-ce que c'est acceptable pour vous de vous entendre dire qu'aujourd'hui vous êtes un grand auteur? Parce que, bon, on va ressortir ce qu'on trouve partout dans la presse, c'est-à-dire que vous êtes étudié, vous êtes dans les universités un objet d'observation. Vous savez, dans la préface qu'a fait André Bielli pour Apollinaire en Pléiade, il y a cette anecdote, il dit que Jarry et Apollinaire sont rencontrés en 1905 parce que tous les deux voulaient passionnément rencontrer le poète Moréas. Ils l'admiraient. Et Bielli ajoute, d'ailleurs en 1905, tout le monde admirait Moréas. Eh bien peut-être qu'aujourd'hui, par hasard, comme Jean Moréas en 1905, on pense que je suis un grand écrivain, mais que comme Jean Moréas, je tomberai vite à la trappe. Donc vous écartez la question? Je ne sais pas. Réponse, en tout cas. J'aimerais bien que ce qu'on dit ici et là soit vrai, mais je suis mal placé pour y répondre. Ça me fait plutôt rire. Enfin. On va aller travailler votre écriture dans une seconde. Je vous propose d'écouter Charles Julliez, qui est un auteur, un poète que vous connaissez. Je vous propose un extrait d'un film de Rodolphe Barry qui s'appelle « Libre le chemin », qui est une rencontre avec Charles Julliez. Et Julliez parle, dans l'extrait que nous avons choisi, de la difficulté d'écrire. Écoutez. C'est constamment excitant, l'écriture, quand on n'est pas trop découragé. Mais je vous assure que la plupart de mes séances de travail s'achèvent sur une impression d'échec et de découragement. Mais c'est vrai parce que ce qu'on dit est tellement pauvre par rapport à ce qu'on voudrait dire, à ce qu'on a conçu, ce qu'on a imaginé. Après, on se trouve face à des phrases mortes, toutes... Oh là là, c'est profondément décourageant. Je vous assure, il faut vraiment s'accrocher pour pouvoir continuer. Sur Charles Julliez, qui n'a pour l'instant pas trouvé de diffuseur, notamment dans les télévisions de service public. Le 23 décembre de l'année 1964, dans son journal, Charles Julliez, journal que vous connaissez, et ajoute ceci, « Il n'est pas impossible que ma volonté d'écrire dans une langue dépouillée et directe me vienne de ce milieu paysan où j'ai passé mon enfance. Les gens simples ont en effet un sens extraordinaire de la parole. Ils n'emploient jamais de mots inutiles ni de mots creux. Et je pense avoir acquis durant ces années une défiance à l'égard des mots qui ne m'a jamais quitté. » On n'est pas loin de votre manière d'écrire, à vous. Non. On en est loin. Vous dites ? Non. Moi, par exemple, j'entends Charles Julliez à dire qu'il ressent une impression d'échec devant ses phrases. Pas moi. C'est-à-dire que... Je ne sais pas comment dire, c'est un des seuls triomphes peut-être de ma vie.
me relire est toujours plaisant, le jour même, enfin pas après, pas maintenant, mais le jour même, si je... Ou bien c'est déplaisant, mais dans ce cas, je le jette à la poubelle. Je n'en fais pas, je n'en fais pas usage public. Mais si je le publie, c'est que ça m'a plu et que, oui, j'ai eu l'impression de remporter une victoire, de gagner quelque chose sur le non-sens du monde, sur le non-sens que je suis moi-même. Tout à coup, il y a eu quand même un peu de sens et un peu de beauté à mon oreille que je me suis donné tout seul. C'est un peu prétentieux ce que je dis là. Non, parce que vous êtes juste. Non, mais enfin, je veux dire que je ne crois pas, moi, qu'écrire soit une douleur et un... Sauf si ça prend tellement de temps. Qu'il faille des années pour qu'à un moment on soit prêt. Oui. Ce qui donne de la douleur, c'est le fait d'être attaché à cette tâche-là et ne pas la faire tous les jours. Mais quand je réussis à m'y adonner, vraiment, j'éprouve du plaisir. Vous êtes dans le plaisir. J'éprouve du plaisir et un sentiment de triomphe. Vous êtes juste. je vais vous lire, mais est-ce que vous préférez vous lire vous-même ? Comme vous voulez. Mais peut-être que vous avez envie... Non, lisez, si c'est des choses que vous avez choisies. Alors, Corps du roi, on va quand même vous lire, parce que c'est quand même toujours du plaisir, et pour Jean Echenoz et pour vous, de vous lire. Alors, avec cette série de portraits, mais les deux corps du roi, hein, vous écrivez ceci. Le roi, on le sait, a deux corps. Un corps éternel, dynastique, que le texte intronise et sacre, et qu'on appelle arbitrairement Shakespeare, Joyce, Beckett ou Bruno, Dante, Vico, Joyce, Beckett, mais qui est le même corps immortel, vêtu de défroques provisoires. Et il a un autre corps mortel, fonctionnel, relatif, la défroque, qui va à la charogne, qui s'appelle et s'appelle seulement Dante et porte un petit bonnet sur un nez camus, seulement Joyce, et alors il a des bagues et l'œil myope, ahuri, seulement Shakespeare, et c'est un bon gros rentier à fraises élisabéthaines, où il s'appelle seulement carcéralement Samuel Beckett, et dans la prison de ce nom, il est assis en automne 1961 devant l'objectif de Lutfi Osbock. Et là, vous travaillez dans un texte que, personnellement, je trouve magistral, parce que ce texte est une adéquation pure avec la photo de photographe turc, hein, qui a pour manie de tirer le portrait des deux corps du roi, l'apparition simultanée du corps de l'auteur et de son incarnation ponctuelle, le verbe vivant et le sacus merdé sur la même image. Waouh ! C'est bien de voir rire, ça fait plaisir. Et alors, de Beckett sur cette photo, vous dites « Je suis le texte, pourquoi ne serais-je pas l'icône ? Je suis Beckett, pourquoi n'en aurais-je pas l'apparence ? J'ai tué ma langue et ma mère, je suis né le jour de la crucifixion, j'ai les traits mélangés de Saint-François et de Gary Cooper, le monde est un théâtre, les choses rient, Dieu ou le rien exulte, jouons tout cela dans les formes, continuons, il tend la main, il prend et allume un boyard blanc, gros module, il se le met au coin des comme Bogart, comme Guevara, comme un métallo, son œil de glace prend le photographe, le rejette, Nolim est Tanguéré, les signes débordent, le photographe déclenche, les deux corps du roi apparaissent. Tout est dit, il n'y a rien d'autre à dire. Hein, d'accord. Oh, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire. Allez-y. Là, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire sur Beckett. Moi, j'ai pris Beckett, là, simplement pour ça. Pour cette photo ? Non, parce que j'aime Beckett profondément. Alors, il y a les autres, hein, dans ce corps du roi. Il y a évidemment le vendredi 16 juillet 1852, au lever du jour, à la fin de la nuit, la pluie, il ne pleut plus, de grands nuages ardoises courent dans le ciel, Flaubert n'a pas dormi, il sort dans le jardin de Croisset, les tilleuls, puis les peupliers, puis la Seine, le pavillon du bord de l'eau, il a fini la première partie de Madame Bovary. J'ajoute, le dimanche, il écrit à Louise Collet que ce vendredi à l'aube, il s'est senti fort, serein, doué de sens et de but. Doué de sens et de but. C'est un peu ce que j'essayais de vous dire tout à l'heure. Enfin, quand j'ai réussi à écrire un petit peu, je me sens doué de sens et de but, ce que je ne me sens jamais. Je suis toujours, comme dirait Jean, dans le doute, là c'est dit, et il y a une troisième partie que je ne dirai pas, parce que...
Et écrire pour ces moments de joie que j'éprouve à faire ces textes, qui ont quelque chose quand même, je vous entends lire, de ringard, de trompettant, de Laissez les téléspectateurs, il y en a quelques instants là, juger. Moi, quand j'ai fait ça, je me dis c'est tout ce que je peux faire. C'est ce que je fais de mieux, je le fais correctement à mes yeux, ça me sauve la vie. Ça me donne de sens et de but. Oui. Alors, dans cette même... Alors, c'est ça qui est ringard, c'est de dire que dans Corps du Roi, c'est une galerie de référence, une galerie d'admiration, une galerie de respect. Ça, c'est ringard. Ça n'est pas respectueux. Par rapport aux auteurs sur lesquels... Est-ce que je suis vraiment respectueux avec Vous les aimez? Je les aime passionnément. Et je les admire, mais je ne sais pas si je les respecte. On peut le penser. Oui, oui. Faulkner, par exemple. Alors, il y a la photo de Faulkner. Vous écrivez, « Je veux revenir à la Lucky Strike de 1931, à cet instant où Caulfield déclenche. » Et puisqu'à son insu ou pas, ce n'est jamais par hasard qu'un photographe appelle la lumière, l'éclair sur les nitrates d'argent, je veux savoir pourquoi à cet instant précis le doigt de Caulfield fait le petit geste juste qui fabrique de l'icône, avec une chair qui peut-être a la gueule de bois mais qui à coup sûr a trop chaud dans son tweed et trempe une chemise d'Alton en juillet dans le Mississippi. Je veux croire que ce qui l'y incite peut-être le lui ordonne, c'est une infime variation du regard de Faulkner. Voilà la photo de Faulkner ici, qui vous inspire. L'adéquation de l'image au texte, comment est-ce que vous avez fonctionné ? Dans votre travail, il y a un certain nombre de ces textes pour lesquels vous avez pris des notes, il y en a d'autres pour lesquels vous avez été immédiat, parce que c'était de la commande. Oui. Comment ça fonctionne ? Comment est-ce que le lecteur peut se dire, le rapport entre l'image et l'écrit est absolu, est évident ? Je ne sais pas s'il est véritable. Enfin, je veux dire... Je parle du lecteur, je ne parle pas de vous. Oui, hein. Mais de ma part, c'est un peu un trucage. Parce qu'il est bien plus facile... Non, écoutez, plus facile de parler de n'importe qui, mais notamment d'un auteur littéraire, à partir simplement de son portrait et de sa légende, et de la légende de tel ou tel portrait, qu'à partir de son œuvre. Or, ces deux textes, celui sur Beckett et celui sur Faulkner, qui parlent d'une photo, fonctionnent sur un passe-droit. C'est-à-dire, cette photo est là, on est censé connaître l'œuvre de l'auteur, donc tout ça est au troisième degré, et hop, je déblatère un peu sur cette photo qui a eu l'avantage énorme pour me faire ce texte, de m'halluciner à ce moment-là. J'aime bien écrire dans un état d'hallucination. D'hallucination, enfin, je m'entends, je veux dire, je convoque pas les esprits. Mais de telle contention de l'esprit sur un tout petit point, là, ce portrait, que... C'est comme s'il était là, c'est comme si je le voyais, c'est comme s'il était le monde entier à ce moment-là. Et avec un portrait, rien n'est plus facile. J'aurais pu faire un livre entier sur des portraits d'auteurs comme ça, mais ça aurait perdu tout sens. Enfin, il y en a deux, ça suffit bien. Et je n'en ferai plus. Je voudrais qu'on revienne sur Madame Bovary, film de Claude Chabrol avec Isabelle Huppert sur Madame Bovary, qui est sorti chez MK2 en DVD. Et dans l'extrait que vous allez voir, Chabrol a réalisé une fusion de quatre passages de l'œuvre de Flaubert, décrivant l'attitude provocante et dominatrice d'une Emma gourmande et voluptueuse. Avec notre documentaliste Élodie Chevalier, on a vérifié l'adéquation du film de Chabrol et du texte. Alors, il y a dans cet extrait description physique avec son corset, attitude extravagante puisqu'elle fume le cigare, il y a son rire libertin, le champagne coule à flot, et puis il y a également la voix du narrateur sur l'image, et tout ceci est l'exacte copie de ce qu'écrit Flaubert. Extrait. Que lui as-tu donné comme excuse? Je lui ai dit que je voulais prendre des leçons de piano deux fois par semaine. C'est très cher, des leçons de piano. Mais je suis riche. Il ne discutait pas ses idées, il acceptait tous ses goûts. Il devenait sa maîtresse plutôt qu'elle n'était la sienne. Elle avait des paroles tendues avec des baisers qui lui emportaient l'âme. Où donc avait-elle appris cette corruption, presque immatérielle, à force d'être profonde et dissimulée? Un jour qu'il s'était quitté de bonne heure et qu'elle s'en revenait seule par le boulevard, elle aperçut les murs de son couvent. Les premiers mois de son mariage, ses promenades en forêt, le vicomte qui valsait,
Tout repassa devant ses yeux et Léon lui parut soudain dans le même éloignement que les autres. Je l'aime pourtant. Qu'importe, elle n'était pas heureuse. Ne l'avait jamais été. Rien ne valait la peine d'une recherche. Tout mentait. Votre rapport à Flaubert, Pierre Michon ? Ah, il est très fort. C'est... C'est Flaubert. Je ne peux pas... C'est le comble de la forme au XIXe siècle, comme Faulkner l'est au XXe siècle, pour moi. Enfin, c'est le... J'ai un rapport fasciné à Flaubert. On le relit. Vous savez, Bovary, par exemple, moi, je crois que je peux le relire tous les ans. Je le relis peut-être pas tous les ans, mais on peut le relire tous les ans. On a tout oublié, en fait. On se souvient des grands traits, on a tout oublié. On a oublié les phrases, on a tout oublié. Et puis une Emma Bovary beaucoup plus manipulatrice que le souvenir qu'on peut avoir dans sa vie d'écolier. Moi, j'ai redécouvert, en préparant l'émission, plutôt une... C'était malin, quoi. Oui, moi j'ai jamais bien... ma première lecture de Madame Bovary est une lecture au premier degré, comme si j'étais, d'ailleurs j'étais, à 17 ans, Madame Bovary. Je le suis toujours sans doute parce que je ne peux pas, m'embarquant dans la lecture de Madame Bovary, avoir un instant une... Jamais la négativité ne peut l'emporter dans mon esprit sur la positivité en ce qui concerne Emma. J'aime Emma et je l'aime. Et je suis elle aussi. Enfin, je n'ai pas du tout... Évidemment, il y a de la critique dans le regard de Flaubert, mais c'est secondaire. Il aime passionnément son objet. Et le Flaubert sensuel, le Flaubert et la sexualité, vous l'aimez aussi, vous le... C'est une dimension que vous intégrez dans vos textes, hein, parce que... Sensuel, enfin, il l'est beaucoup en... Non, il l'est aussi, c'est vrai, dans ses romans. Il l'est dans sa correspondance, mais il l'est aussi dans ses romans. Carnets d'Égypte, oui, Salambour, oui, oui. 1862. Oui. Elle est toute nue, se renverse sur le dos, genoux ouverts. Le serpent comprend son désir. Il glisse autour de ses cuisses, sur son ventre, entre ses fesses. Triangle de la tête du serpent, triangle noir de la tête de Salambour, frémissante Salambour, etc., etc. Oui, mais est-ce qu'il a un effet direct sur le lecteur, sur le plan érotique? Je ne pense pas. C'est érotique, c'est un motif érotique, c'est comme un petit peu quand même comme de l'art fin de siècle pour Salambeau. Quant à être excité par la lecture de Salambeau, je crois l'avoir été étant petit, enfin ayant 17 ans, mais plutôt par le sadisme, mais pas du tout par les manières de Salambeau avec son serpent et ça. La chaînette, par exemple, la chaînette qui retient les chevilles de Salambeau, peut avoir un effet. Je ne sais pas ce qu'on pense, genre. Chez Schmeuse ou chez vous. Le roi du bois, Pierre Michon, on lit ceci. Toujours riant, elle se suspendit à la limite de l'ombre, résolument me tourna le dos. Un interminable instant, elle se campa dans ce soleil marbré de feuilles où flambèrent ses cheveux, ses jupes d'azur énormes, le blanc de ses mains et l'or de ses poignets. Et quand, dans un rêve, ses mains se portèrent à ses jupes et les levèrent, les cuisses et les fesses prodigieuses me furent données, comme si c'était du jour. Mais un jour plus épais, brutalement, tout cela s'accroupit et pissa. Je tremblais. Le jet d'or au soleil sombrement tombé faisait un trou dans la mousse. La fille ne riait plus, tout occupée à serrer haut ses jupes et sentir d'elle s'évader cette lumière brusque. La tête un peu penchée, inerte, elle considérait le trou que cela fait dans l'herbe. La défroque d'azur lui chauffait à la nuque, craquante, gonflée, avec extravagance, offrant les reins. Dans le carrosse, dont la porte peinte battait encore un peu, tant la pisseuse l'avait allègrement poussée, il y avait un homme accoudé, en pourpoint de soie défait, qui la regardait. Ouf. C'est parfait. C'est vous, hein, oui, le roi, oui, du, oui, bois, oui. Toujours chez Verny. Oui, mais est-ce que ça a un effet aussi sur le lecteur, un effet de... Non, mais c'est beau. C'est beau, sans doute. Il a dit, c'est beau. J'ai encore deux choses. C'est trop peu, finalement, ces émissions. Vie minuscule, c'est votre texte fondateur, hein, d'une certaine manière. C'est 1984. Et vous écrivez ceci, et je vous pose la question, après vous avoir lu une nouvelle fois.
Qu'avais-je à faire de ces sottises, moi qu'un peu de poudre blanche consacrée quotidiennement grand auteur, une matinée exaltée, inféconde et funèbre, mais je le répète, gai commencé. J'étais flamme et feu froid, j'étais glace qu'on brise et dont les beaux éclats si variés étincellent, des phrases trop pressées, profuses et guillerettes sinistrement traversaient sans trêve mon esprit, en un instant varié, s'enrichissaient de leur volatilité et fleurissaient à mes lèvres qui les jetaient dans l'espace triomphal de la chambre. Nul thème ni structure, nulle pensée n'entra avaient leur prodigieux babil, caché dans tous les coins, tendrement penché sur moi et buvant à mes lèvres, une grande mère éblouie, bienveillante et toute oreille, accueillait le moindre de mes mots comme de l'or trébuchant. Et or, mon moindre mot sonnait à mes oreilles, suppléant mon esprit, etc. Un peu plus loin, les amphétamines me brisaient, mais je pense aujourd'hui avec un serrement de cœur et un regret comme de femmes jadis miennes et que je n'aurai plus, que je leur dois les instants du bonheur le plus pur et en quelque sorte littéraire, en ayant pris, j'étais incapablement seul, impeccablement, vous connaissez vos textes, impeccablement seul, j'étais roi d'un peuple de mots, leur esclave et leur père, mais à cette époque-là, vous étiez incapable d'écrire. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes loin de ce qui a été... Non. Non, c'est-à-dire que là, je parle de l'ivresse des amphétamines, mais je pourrais parler de l'ivresse de l'alcool ou de l'ivresse d'écrire. C'est-à-dire non, mais c'est l'impuissance d'écrire, là. C'est-à-dire, oui, c'était. Bon, les vies minuscules ont fait que j'ai sauté le pas et que j'ai écrit. Mais je crois que tout ce que je fais dans ma vie, que ce soit écrire ou autre chose, c'est pour être ivre. C'est pour... Bon, je ne vais pas reprendre la vieille chose de Baudelaire, mais... Je crois que sans ivresse, si je n'avais pas dans ma ligne de mire, dans mon but, pour me donner sens et but, l'ivresse, quelle qu'elle soit, et celle d'écrire, est la plus forte, je ne vivrais pas. Toute petite question, elle est purement anecdotique, mais dans une interview que j'ai lue, vous parlez de Snoopy et de Faustocopie comme étant des... sinon des références, du moins des envies ou des proximités, non, des lieux de famille. En Faustocopie, c'est parce que j'ai voulu faire un texte sur lui et que peut-être je le ferai un jour, un texte héroïsant, etc., mais héroïsant et minimalisant copie. Enfin bon, j'ai des choses dans l'esprit là-dessus. Et Snoopy, c'était à cause d'une photo qu'on avait faite de moi à ce moment-là où on aurait dit Snoopy. Non, Snoopy, c'était vraiment très bon. C'est la dimension coquère triste, un peu. Voilà. Jean-Jean Esnos, qu'avez-vous entendu de ce qu'a dit Pierre Michon? Moi, je pense que c'est très bien de faire une émission de télévision avec Pierre Michon parce que il se trouve qu'on se connaît depuis pas mal d'années et qu'on se parle très souvent. Et là, je l'ai entendu dire des choses qu'il ne me dit jamais au téléphone quand on se parle dans la semaine. Bon. Non, ce qui me frappe, c'est... Il y a beaucoup de choses. Ce rapport de nécessité de l'écriture qu'on connaît, mais qu'il articule de façon différente que... la mienne, et ce que Pierre disait sur Flaubert m'a beaucoup touché, parce qu'en fait, il a eu une lecture adolescente de Flaubert, moi j'ai eu une lecture beaucoup plus tardive, puisque j'évitais les prescriptions scolaires, donc j'arrivais à sinuer entre ce qui m'était imposé, et donc on n'a pas dû avoir du tout le même regard, et sur cette espèce d'excitation, de fausse excitation, dont Pierre parlait quant à Salammbô, par exemple. Moi, j'ai le souvenir de Salammbô comme d'une drogue dure, et pas du tout comme un auteur. Oui. C'était une... Enfin, j'ai vraiment le souvenir de la lecture de Salammbô un été comme d'une espèce presque d'expérience hallucinatoire, quoi. Pas loin. Il y a des chutes... d'énumération dans ton dernier livre notamment, qui font penser aux chutes d'énumération de Salammbô dans le Festin des Barbares. Par exemple, presse-agrumes et porte-épices, virgule, en fin de... C'est Salammbô. Mm-hmm. Salammbô, je pense, travaille beaucoup en toi. Mais, peut-être, mais c'est pas le livre que je relis le plus souvent, mais alors que le livre de référence, l'œuvre de Flaubert, qui est la référence pour Pierre et Madame Bovary, moi, c'est inconditionnellement et presque jamais Bouvard et Pécuchet, dont je peux me défaire. Enfin, il suffit que je rouvre Bouvard et Pécuchet pour qu'aussitôt je reparte à la première page et que je le relise. Et là, peut-être qu'on a des géométries un peu différentes, oui, par rapport à Flaubert,
Et je crois que pour Pierre, autant que pour moi, c'est une œuvre tout à fait essentielle, qui devient presque, ce caractère essentiel finit par devenir presque risible, oui, presque dérisoire, mais ça reste là. À propos de Bovary, Majdi, Senadji et Pierre Michon chez Marval, hein, à la fois texte et photo, donc travail sur Madame Bovary. Dernière question, Jean Echenoz. Cet auteur, là, finalement, il donne l'impression d'être serein. Je dis bien, il donne l'impression d'être serein. C'est votre avis ou pas? D'être un peu content, finalement. D'oser être un peu content. Il y a de la sérénité, mais... Mais vous le connaissez trop bien. Oui. Depuis qu'on s'est parlé la première fois à la gare de Poitiers, il y a je ne sais pas combien d'années. 57 ans. 10 ans, plus, quand même 12 ans. Par là. Je crois qu'il y a une volonté de sérénité, ce qui est déjà quand même pas mal. C'est un combat, hein? Ouais. Une bataille. On vous retrouve dans une seconde, Jean Echenoz. On va écouter Rélema, qu'on retrouvera tout à l'heure dans la deuxième partie. Il interprète un premier titre avec Catherine Renoir et Isabelle Gonzalez. Ça s'appelle « Nalélela, pourquoi devrais-je pleurer ?» Mwasi na pona na tonga na ye libota Azalaka mwasi ya bato Abombeli nga sekele ya mbula mabimba ona dambo Mazuki zungu zungu Nakangie na mikanda na ndako Denge ayanga na jaka ikeleve Studio Akosa kana bakabana na yenda studio na komi juste oho Moyena ningana jaka ikeleve Na beli bokono ya bolingo oho Gasudio Kela wapi oh mama na bibi mote mai mwasi na pona na tonga na yeli bota azalaka mwasi ya bato oh abombelinga sekele ya mbula mobimba ona ndambo majiki zungu zungu nakangie na mikanda na ndako Denge ayanga na jaka ikeleve Gasudio Akosa kana baka bwana na ye Gasudio Nakomi juste oho Mwayena ninga na jaka ikeleve Nabeli bokono ya boligo oho Jean Echenoz, édition de Minuit, 11e livre. 9e roman. 9e roman, ouais. 11e livre. Si on veut, oui. Hein, aux éditions de Minuit. Avec la critique qui dit ceci, le critique qui vous suit toujours, mon confrère de Libération, Jean-Baptiste Arand, qui conclut la critique de ce livre-ci en disant « Avec nous, Echenoz n'a encore manqué aucun rendez-vous ». C'est pas mal.
C'est lui qui le dit. Oui, ça, c'est lui qui le dit. Comme je le reprends, je le dis peut-être aussi. Et simplement, pour faire la jonction avec Michon, on va reprendre Beckett. Et je vous lis. Hein. Alors, il faut que je retrouve, mais... quand même, retour de la petite cérémonie du Médicis, le 8 novembre 1983. Vous avez reçu le Médicis pour Cherokee, hein, c'était ça ? Oui, c'est ça. 83. Vous écrivez ceci, je rencontre Samuel Beckett. Au trois fois rien avec Samuel Beckett, on se serre la main, on se dit bonjour, et je suis bien incapable de prononcer un mot de plus, mais enfin je le rencontre. Comme devant lui, je suis très ému, affreux malentendu. Lindon me raconte quelques jours après que Beckett a cru que c'était ce prix qui me bouleversait. Il allait ressonner, a-t-il même jugé. Je ne le croiserai qu'une autre fois, Beckett, quelques années plus tard, toujours rue Bernard Palissy, siège des éditions de Minuit, et je n'oserai même pas aller le saluer. Samuel Beckett. Bon, voilà un peu une jonction sur une photo et sur un auteur. Alors, je voudrais, moi, vous montrer commencer par une photo, et j'ai l'impression que finalement, aux éditions de Minuit, vous êtes un auteur qui remplace ce qu'on va voir là. Sur la photo, regardez la photo. C'est une photo de Mario Dondero, elle était prise en 59. Une célèbre photo. Oui. En face des éditions de Minuit, rue Bernard Palissy, dans le 6e arrondissement de Paris, Alain Robbe-Grillet, Claude Simon, Claude Mauriac, Jérôme Lindon, Robert Pinget, Samuel Beckett, Nathalie Sarraute, Claude Ollier. Est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à ce que vous êtes, 20 ans de livres chez Minuit, plus de 20 ans. Un peu plus de 20 ans. Un peu plus de 20 ans. Ça y est, il se veut vieux. c'est ce que vous induisez. Oui, bon, vous êtes né en 1947 à Orange. Ouais. Voilà. Donc, est-ce que vous avez l'impression de devenir un personnage de photo, celui dont on dira il a été une nouvelle génération. Alors là, on a parlé du nouveau roman, mais Lindon disait lui-même, c'est un pur hasard, parce que je les ai réunis, finalement, ça a fait une école, mais ce n'était pas vraiment le but du jeu. Oui, enfin, c'est le nouveau roman, c'était une constellation d'individualités très, très, très spécifiques, et au fond, on ne voit pas très, très bien ce qu'il y avait entre eux, sauf cet effet de groupe. Et sauf sans doute certains mouvements de refus. C'était, à mon avis, ce qui pouvait les rapprocher, c'était plus de l'ordre du refus que d'une cause définie comme ça, d'une adhésion de groupe. Maintenant, je crois qu'un phénomène comme celui qui s'est produit avec le nouveau roman, qui a été quand même extrêmement impulsé et conçu par Jérôme Lindon, bien sûr, mais aussi beaucoup par Alain Robbe-Grillet, je vois mal qu'il puisse se reproduire de façon analogue. Mais parce que j'ai l'impression que maintenant, il y a quand même... l'accent est peut-être mis plus sur les individualités et les solitudes qu'il pouvait l'être à cette époque. Mais peut-être que je me trompe. Alors, je reviens à la question. Est-ce que vous êtes de la nouvelle génération Minuit ? Est-ce que vous êtes... vous pourriez être sur la photo aujourd'hui. Je ne sais pas. Je me rendais compte récemment que quand je suis arrivé aux éditions de Minuit, Robbe-Grillet avait à peu près l'âge que j'ai maintenant. Donc on pourrait la jouer comme ça. Mais je ne suis pas sûr que sur ce plan-là, l'histoire se répète. Enfin bon, oui, ça fait 24 ans que... Je peux dire, dans sa prison. Et écoutons, si vous le voulez, cet homme avec lequel vous avez fait un bout de chemin d'écrivain, avec lequel vous avez fait quasiment tout votre chemin d'écrivain, c'est Jérôme Lindon, extrait de l'émission Pour le plaisir. On est le 12 mai 1965. Il dirige les éditions de Minuit depuis 17 ans. Et il trouve une justification qu'on comprend aujourd'hui à son métier d'écrivain, une justification un peu périphérique, finalement. Écoutons-le. Je crois que, au fond, ma justification de mon métier, c'est ça, de faire que quelque chose ait changé dans les goûts, dans les façons d'aimer les choses. Tenez, pour vous donner un exemple, j'ai une fille qui a 16 ans et qui est une jeune fille de 16 ans,
parfaitement normal, qui a une discothèque qui y est tout à fait au point et qui aime flâner dans les rues. Enfin, elle n'est pas du tout la petite intellectuelle dont j'aurais horreur et à qui je n'ai jamais demandé précisément de lire les ouvrages de ma maison. Je pensais même que ça ne pourrait pas l'intéresser. Et puis tout à coup, je l'ai vue se prendre très vif attiré, même de passion pour l'œuvre de Beckett. Et elle aime ça, elle aime réellement ça. Et ça me, à la fois, ça me surprend et ça me fait extrêmement plaisir. Je me dis que peut-être, s'il n'y avait pas eu les éditions de Minuit, eh bien aujourd'hui, il n'y aurait pas des petites filles de 16 ans qui lisent Beckett avec autant de plaisir qu'elles lisent Salut les copains. Jérôme Lindon est mort le 9 avril 2001. Il est enterré au cimetière du Montparnasse, pas loin de Beckett d'ailleurs. Comme oui, quoi, tout près. Et Irène Lindon est devenue... Et la jeune fille de 16 ans est devenue mon éditrice. Oui. Et la fille de 16 ans est devenue votre éditrice. Alors Jérôme Lindon, je voulais m'arrêter deux secondes sur ce livre. Jérôme Lindon, c'est pas un homme ce livre, c'est du souvenir par rapport au parcours que vous avez fait avec lui. Et au tout début, ça donnait à peu près ceci. Les jours suivants, on se revoit quelquefois avec Monsieur Lindon. On déjeune même ensemble. Je n'en crois ni mes yeux ni mes oreilles que je sois là à déjeuner avec ce type, en conséquence de quoi je mange très peu en veillant à bien me tenir à table. Il ne me fait presque aucune observation sur mon texte, à quelques erreurs près, le célèbre « après que » suivi de l'indicatif, un « déjà » sur lequel je mets systématiquement l'accent grave, d'autres petites bévues de cet ordre. Je ne dis toujours à peu près rien, c'est lui qui parle. Bah, les premières années, c'était quelqu'un de très intimidant, oui, en effet. Donc les premières années, oui, je la fermais plutôt. Et puis, bon, il y a quand même des liens d'amitié qui se sont développés. Mais ce livre était au départ, n'était pas au départ destiné à la publication. J'ai commencé à, le jour où j'ai appris sa mort, j'ai commencé je désirais fixer des moments comme ça de mémoire. J'avais pas envie qu'ils se diluent, qu'ils se perdent. Et donc oui, c'était des moments un peu forts ou faibles d'ailleurs, ou heureux ou difficiles que je voulais fixer précisément. Et j'ai donné ce texte à Irène Lindon qui a souhaité le publier, mais c'était au départ quelque chose de l'ordre de ma mémoire pour garder cela. L'écriture, et une question comme je l'ai posée à Pierre Michon tout à l'heure sur la manière d'écrire, je vous cite toujours dans ce livre, et là on parle d'écriture, les conceptions de l'écriture. Puis les livres suivants, les miens, ne poseront plus aucun problème particulier, sauf presque chaque fois sur la question des virgules. Seule divergence esthétique de fond entre nous, entre Jérôme Lindon et vous. Jérôme Lindon est partisan, dès que possible, d'une scansion démonstrative de la phrase à l'aide de virgules, alors que je soutiens qu'il vaut mieux tant qu'on peut s'en passer et que le rythme interne de la phrase doit pouvoir se soutenir seul, sans qu'on y ait recours. Oui, je crois que c'est la phrase du livre où il y a le plus de virgules, en fait. Oui, tout à fait, oui. Je ne vais pas les compter, mais... Oui, je crois qu'il y en a pas mal, oui. C'était tout à fait... Ça, c'est deux conceptions esthétiques Je ne sais pas si c'est des conceptions esthétiques, mais en effet, il me semble que les virgules dans l'intérieur d'une phrase, enfin, je ne sais pas, il faudra en parler avec Pierre, peuvent jouer comme des obstacles, comme des petits hoquets. Et que, à moins que cela soit tout à fait délibéré et que ces hoquets soient nécessaires dans la phrase... Je préfère l'idée d'une phrase qui se déroule. De la même façon que je pense que la diction des alexandrins ne doit pas être interrompue à la fin de chaque alexandrin, mais qu'il y a une rivière qui peut négliger la métrique comme ça, et qu'on n'est pas obligé de tenir compte. Enfin, voilà. Bon, Pierre en dira un mot tout à l'heure si il souhaite, donc quand il commentera. Il le peut. Vous écrivez comme ceci dans Au piano, qui est votre dernier roman. Deux hommes paraissent au fond du boulevard de Courcelles, en provenance de la rue de Rome. Virgule, de taille un peu plus haute que la moyenne, virgule, ne parle pas. Sous un vaste imperméable clair et boutonné jusqu'au cou, il porte un costume noir, ainsi qu'un nœud papillon noir, et de petits boutons de manchette montés en quartz onyx ponctuent ses poignets immaculés. Bref, il est très bien habillé, mais son visage livide, ses yeux fixés sur rien de spécial, dénote une disposition d'esprit soucieuse. Ses cheveux blancs sont brossés en arrière, il a peur. Il va mourir violemment dans 22 jours, mais comme il l'ignore, ce n'est pas de cela qu'il a peur. Et voici
le personnage du livre qui entre en jeu. Alors, ma première question, c'est... voilà Max Delmarque, qui est pianiste, virtuose, reconnu, qui va mourir dans 22 jours. La première question que je vais vous poser, c'est à quoi est-ce que vous vous attaquez ? Je ne vais pas dévoiler le livre et les deux dernières parties, mais quelle est cette ambition d'un seul coup par rapport à l'économie du livre ? Vous vous attaquez à quoi ? Je m'attaquais au pianiste au départ. Je m'attaquais à deux choses. Je m'attaquais au pianiste, parce que les pianistes me fascinent. Et je m'attaquais à quelque chose dont il est difficile de parler, parce que c'est un peu le déroulement du livre. Enfin, je m'attaquais à un parcours dont j'avais presque tout de suite le verrou de la fin. Je savais comment ça se verrouillerait. Et je m'attaquais au pianiste sans doute par envie, parce qu'au fond, peut-être que j'aurais préféré faire ça. Par envie, par mimétisme aussi, peut-être un petit peu, parce que je me suis pas mal intéressé à... Vous auriez aimé être pianiste ? Oui, j'aurais préféré. Fasciné par le cinéma, la musique, qui récurrent dans tous vos livres, mais hein, référence en tout cas. Oui, non, le piano est un objet unique. C'est comme disait Samson François, déjà le seul instrument... Enfin, Samson François disait qu'il avait choisi le piano parce que c'était le seul instrument sur... On pouvait poser un verre dessus, mais bon... Mais non, je me suis beaucoup... Enfin, je suis très, très fasciné par l'espèce d'opposition qu'il y a, enfin, d'opposition, de coexistence entre cette délivrance d'émotion du virtuose, de l'interprète classique, et forcément sa vie quotidienne, prosaïque, encore une fois, son corps et le rapport de ce corps à l'instrument, Et au public, et au regard, et aux oreilles, et cette captation. Ce rapport est terrible. Mais ce rapport est terrible. Il est mort, sans mauvais jeu de mots, il est mort de peur, sauf qu'il mourra dans 22 jours. Oui. Il est mort de peur, donc il essaie de s'alcooliser, mais... alors, il y a un... Comment ça c'est pour ça que je parlais de Samson François. Oui. Oui. Non, il essaie de s'alcooliser, ce qu'essaie de lui éviter Bernie, qui est en fait le factotum qu'a mis à sa disposition de Parisi, qui est l'impression pour éviter... avant. Mais le jour où il boit trop, ça donne des choses assez terribles, parce que de manière imprévisible, l'autre marcha d'un pas ferme vers l'instrument, donc c'est Max, bien que dans sa vision troublée par l'imprégnation, le clavier ne fut plus comme d'habitude un simple maxillaire, mais une authentique paire de mâchoires qui s'apprêtait cette fois le plus sérieusement du monde à l'absorber pour le disloquer en le mastiquant. Or, comme à peine apparut-il sur scène, la salle entière se dressait pour l'acclamer, interminable Niagara d'applaudissements, plus vif encore que la semaine dernière, comme l'ovation plus enthousiaste que jamais se prolongeait sans faiblir, Max, qui n'avait plus toute sa tête, crut pouvoir en déduire que le concert était fini. Il salua donc profondément le public à plusieurs reprises, avant de retourner d'un pas non moins ferme vers la police sous le regard horrifié de Parisi. Mais ni une ni deux, Bernie reprit aussitôt Max, et hop, il le remet sur scène. Et c'est terrible, cette perte de sens de la réalité. C'est-à-dire que je suis applaudi et je pense que j'ai donné le concert alors que je ne l'ai pas donné. Oui, mais ça, c'est un effet chimique. Ça. Et c'est votre humour. Hein. Bon. Oui, enfin, je ne sais pas, mais... C'est drôle. Oui, j'espère. ce qui m'intéressait, c'était aussi cette... encore une fois, cette vie dans la peur et dans la perte, quoi. Un personnage qui ne vit que pour un objet qui est l'objet musical et qui se défait et qui est privé de tout ce qui pourrait être amour, affect, etc. Et qui, dans cette espèce de lien monolithique avec la musique, vit ça dans la peur. Ça, c'était quelque chose qui m'intriguait beaucoup. Et pourtant, comme le disait Pierre Michon tout à l'heure, dès qu'il a affaire à la mâchoire, dont on parlait il y a une seconde, il est dans le plaisir. Oui. Donc, il transcende. Oui, hein, oui. Et à chaque fois. Mais je crois que ça, c'est ce qu'il pourrait y avoir de confusément, je ne dirais pas autobiographique, mais enfin un peu calqué sur l'expérience qu'on peut avoir. C'est qu'il arrive, que, même sans un instrument aussi imposant qu'un Steinway,
et sans aucun public, sans aucune caméra, sans aucun micro, on peut se retrouver devant une machine à écrire dans un état de trac. C'était la question. Oui, dans un état de peur, oui, ça peut arriver. Ouais. Comment faites-vous pour surmonter la peur, vous, pas Max? Bah si j'avais quelqu'un pour me pousser dans le dos, ça serait pas mal. Mais non, on n'avait pas de Bernie. J'ai pas de factotum. Mais je suis mon propre factotum aussi. Bon, faut y aller. De toute façon, c'est comme ce que disait Pierre Michon tout à l'heure. Que faire d'autre? Que faire d'autre? Vivre. C'est déjà pas mal, hein? Oui, mais. Ah, le certes. Salaud, il me fait chier. Certes, mais... Non, mais c'est là, il y en a 11 comme ça, et il y en a 11 qui ont à voir avec l'autre. L'autre, c'est le lecteur, et c'est la personne qui peut vous recevoir, et on vous reçoit. Oui, mais c'est une chose tout à fait simple, c'est que depuis l'enfance, je pensais que vivre vraiment, c'est écrire. C'est écrire. Ben là, c'est gagné. Je ne sais pas si c'est gagné, parce que ce n'est pas tous les jours drôle, mais non, c'est jamais gagné. C'est absolument jamais gagné. Absolument, j'avais gagné, d'ailleurs. Non, parce qu'il y a, en plus, dans ce livre, mais on va pas le dire, il y a un détour à faire qui est terrible. Oui, pour finalement réussir à réémerger. Oui. Mais là où ce n'est jamais gagné, c'est que dans des moments où ça peut être difficile, des moments ponctuels, moi, je travaille plutôt le matin, des moments où ça ne marche pas, où ça, le travail ne peut pas se faire, et où il y a quelque chose qui s'oppose à ça... c'est toujours un drame. C'est jamais juste un petit accident de la journée qu'on finira par surmonter. Non, c'est chaque fois, tout est foutu, je sais plus, j'ai peut-être su. Et bon, donc, c'est quand même... c'est quand même aussi quelque... Écrire est un métier très physique aussi. C'est un métier court, hein, aussi. Finalement, c'est assez facile. Chapitre 18, page 144. Waouh! C'est bref. Ça, ah oui, mais pardon. C'est quand même facile d'écrire. Ah chapitre oui, mais... 18, Nuit d'amour avec Doris Day. Je veux bien, mais tout le chapitre était écrit. Ah oui, je l'ai enlevé. Oui, enfin, en plus, il était un peu écrit derrière. Page 197. Oui. Que savait-il d'ailleurs au fond de Félicienne, sinon qu'elle se perdait en ressassements insanes, assurant amèrement avoir eu dans sa jeunesse des mensurations de rêve, le don des langues et l'oreille absolue, mais issue d'un milieu modeste, elle avait dû entrer tôt dans la vie active, sacrifiant ainsi une multiple carrière de top modèle mondial, d'interprète international et de concertiste universel, en abandonnant le piano. Tout en découpant le gigot du dimanche, Max cachait derrière son indifférence le soulagement que lui procurait cette troisième information. L'indifférence, oui, on en arrivait là. Ça n'allait bientôt plus trop marcher, cette histoire avec Félicienne. C'est que l'amour, enfin, quand je dis l'amour, je ne sais pas si c'est le mot, n'est pas seulement volatile, mais il est également soluble, soluble dans le temps, dans l'argent, dans l'alcool, dans la vie quotidienne et dans pas mal d'autres choses encore. Et sexuellement, par exemple, ça n'allait plus être du tout, Félicienne se rebiffant sur ce point de plus en plus souvent, tellement peu ça que Max se passait rêveusement souvent un disque trouvé chez un soldeur près de la Porte Saint-Denis, The Best of Doris Day, à propos duquel Félicienne, se montrant alors hostile comme si elle se doutait de quelque chose, lui demandait âprement comment il pouvait perdre son temps à écouter ces conneries. Alors là, on a votre fascination pour les réflexions sur la vie en général et sur le cinéma en particulier avec Doris Day. Pourquoi est-ce que Doris Day apparaît dans un rôle qui n'est pas forcément le sien, d'ailleurs, dans votre livre? Ah oui, vous trouvez? Je sais pas, moi... moi, je... J'avais besoin d'un personnage, d'infirmière un peu généreuse, comme ça, rassurante, hygiénique, saine, végétarienne, certainement, et... Comme je voulais absolument utiliser des acteurs réels pour deux des rôles de ce deux personnages du roman, pour moi Doris Day était tout à fait approprié. Non, j'ai fait un travail de casting assez. Alors le deuxième casting, c'est Dean Martin. Oui. Alors Dean Martin, vous parlez notamment de Dean Martin dans Rio Bravo, etc. Et là, vous les utilisez à contre-emploi puisqu'ils sont plus dans vraiment dans dans les films, hein. À contre-emploi, je sais pas. Pourquoi est-ce que vous allez chercher Doris Day et Dean Martin? Doris Day, pour les raisons que je viens de dire. Oui. Et Dean Martin. Dean Martin, parce que j'ai une immense affection pour Dean Martin.
D'autant plus que j'ai lu, parce que pour le petit rôle que je lui donne dans le livre, moi je fais un peu comme ça, je me documente le plus possible, donc je tâche de voir le plus de films possible et d'écouter des chansons et de lire sa biographie. Voilà. Et à partir de là, je ne suis pas sûr qu'il soit contre-emploi en fait. Là on l'écoute dans le... Enfin, on voit Dean Martin et on l'entend dans le... C'est la chanson de Rio Bravo. Alors, ça, c'est un peu pour situer l'univers de votre roman. On essaye, hein, mais parce qu'on ne veut pas en dévoiler forcément le contenu et la fin, en tout cas son passage central. Et puis, il y a toujours, par rapport à tous vos autres romans, il y a ce qu'on pourrait appeler, alors, d'un néologisme, votre géographisme. Il y a une documentation, même si vous n'allez pas forcément sur les lieux. Et là, pour le coup, c'est l'Amazone, c'est Iquitos. Mmh. Et vous écrivez ceci, situé au nord-ouest du continent sud-américain et à égale distance de trois frontières, coincé entre la forêt tropicale et l'Amazone, Iquitos est une ville de 300 000 habitants, bâtie sur la rive droite de ce cours d'eau considérable. Elle a été officiellement désignée comme port fluvial amazonien par l'article unique de la loi numéro 14702, le 5 janvier 1964. Sa température moyenne est de 36 degrés. Encerclée par le fleuve et quelques-uns de ses bras, Iquitos peut aussi apparaître comme une sorte d'île, puisqu'aucune route n'y accède. On ne peut s'y rendre que par l'air ou par l'eau. Le long de la rive se succèdent de petits embarcadères comme celui dont on approchait, à l'arrière-plan duquel stationnait un véhicule Ford occupé par deux hommes prénommés Oscar et Esao, qui finirent par s'en extraire pour venir accueillir Max. Donc, comme dans tous vos autres livres, il y a ce besoin de voyager, toujours. Là, c'est un peu particulier, c'est parce que j'avais besoin d'un lieu qui puisse être une espèce de sas, de transition entre deux moments du livre. Et par ailleurs, bon, il m'arrive plus ou moins de voyager de temps en temps, comme ça. Et il est très rare que je tombe sur des lieux qui aient une pertinence romanesque. Bon, en général, ce sont des beaux endroits, des très beaux paysages, des villes intéressantes, etc. Mais là, les hasards de la vie ont fait que j'ai passé 3-4 jours dans cette ville d'Iquitos, qui était... J'aime pas parler comme ça parce que c'est toujours un peu ridicule, mais qui était vraiment un lieu donné comme absolument romanesque. Bon, pas à cause de certains indices que je décris un petit peu dans le livre, mais c'était un lieu qui était un moteur romanesque. Et je me suis dit qu'il aurait forcément une place. Et enfin, pour moi, c'était... disons, dans l'économie du roman, c'était la place idéale. Mais alors, Max à Iquitos, c'est quand même très très dur pour lui. Les conditions de logement, etc., sont assez épouvantables. Oui, mais c'est à peu près l'hôtel dans lequel je vivais. Voilà, donc c'est un peu autobiographique. je dis des conneries. Deux remarques encore, pour terminer cet entretien. Votre manière habituelle. Vous, je vous connais par contre, je vous vois d'ici. Vous imaginez que Max était encore un de ces hommes à femme, un de ces bons vieux séducteurs bien sympathiques, mais un petit peu lassant. Vous, je vous connais. Cette adresse permanente et systématique au lecteur. Ce clin d'œil. Là. Dans ce passage, oui. Le reste du temps, je fais assez peu ça. Non, mais c'est assez récurrent dans tout. Oui, mais ça n'a pas toujours la même fonction. Là, c'est une espèce de réaction imaginaire d'un auteur imaginaire face à un lecteur imaginaire qui aurait lu d'autres livres, plus précisément le précédent, qui était une histoire de ma femme. Bon, donc là il y avait un petit jeu comme ça, mais le fait d'utiliser les différents pronoms dans le cours du roman, c'est pas forcément une véritable adresse à un lecteur, ça peut être juste un jeu sonore ou rhétorique. Toute dernière chose, je ne vous demanderai pas de commentaire. Jean-Claude Lebrun, critique, vous consacre une monographie où il dit que vous êtes
dans la manière dont vous écrivez, toujours capable d'indiquer la société par ses objets, et en même temps, d'une certaine manière, en montrant les objets de la société, de permettre au lecteur de se mettre à distance de cette société et de réfléchir à sa société. Mmh. C'est son propos. Et je pensais à ça par rapport au ticket de métro. Oui. Et là, vous avez cinq lignes, simplement. Il y en a 50 hein, de lignes sur le ticket de métro. Et vous dites, comme il ne se passe pas grand-chose dans cette scène, on pourrait l'occuper en parlant de ce ticket. C'est qu'il y aurait pas mal de choses à dire sur ces tickets, sur leur usage annexe, cure-dent, curon ou le coupe-papier, plectre ou médiateur, marque-page et ramasse-miettes, cale ou cylindre pour produits stupéfiants, paravent de maison de poupée, micro-carnet de notes, souvenirs, support de numéro de téléphone, etc., etc., etc. Pierre Michon, qu'avez-vous entendu de ce qu'a dit Jean Echenoz? J'ai entendu... Rien? Si, beaucoup de choses. Pourtant, il a parlé. Hein, j'ai entendu beaucoup de choses, enfin, mais je... Non, ce qui m'a fasciné, enfin, ce qui me fascine dans ce livre, c'est le fait qu'un homme qui a deux passions fortes, la musique et l'alcool, qui sont des passions d'ivresse, ma foi, un peu tout à l'heure, peut en être détaché par certaines circonstances, en souffrir... C'est radical. Radical. En souffrir, mais finalement, s'y faire. Et cette phrase de Dostoïevski que j'aime beaucoup, qui dit l'homme est un animal qui s'habitue à tout. Et le seul animal qui s'habitue à tout. C'est un peu ce que je lis dans ce livre, ce que j'ai entendu dans ce qu'a dit Jean. C'est-à-dire cette espèce... C'est une tragédie terrible que ce bouquin. Et tout ça est traité avec des petits pizzicato, sans aucune... C'est merveilleux, c'est le propre d'Echenoz, c'est d'être toujours sur une sorte de bulle d'air pendant 200 pages. Et une sorte de toute puissance du langage. Enfin, les gens font ce qu'il leur dit de faire. On n'a jamais l'impression... Vous parlez de toute puissance tout à l'heure. Oui. On n'a jamais l'impression, en lisant Echenoz, que les gens vivent tout seuls, ou que ça, c'est des choses romanesques qu'on dit habituellement. Non. On dit qu'ils font comme il leur a dit. Et comme il dit qu'ils le font. Une sorte de toute puissance, je crois. C'est comme la vie et la mort, tout est... Il n'y a pas, ce roman d'Echenoz montre plus que les autres, de principe de non-contradiction dans le réalisme d'Echenoz. Et ça, c'est assez rare et c'est assez balèze. يبسا وحزينة راني هاي ما أنا عرف.